sa life. Marine Bonnat va nous accompagner. Il y a également celle qui a hâte de bouger son popotin avec Chris Marquez et Julia Martin qui est là. Donc, laisser à la femme la dure tâche de donner la vie, parce que si ça avait été les hommes, je ne sais pas où en serait l'humanité. Et vous allez dans ce couple, alors la femme a choisi d'accoucher sans péridurale, ce qui est déjà en soi vraiment une preuve de courage et de force au féminin. C'est l'experte qui parle, hein, ouais, on sent. La césarienne. Mais heureusement que son homme est là pour la soutenir et résistant. Vive les hommes, regardez. Oula. La revue de presse, et il a passé un best-of, mais le soir sur TF1, il était bien présent. Et sort en France aujourd'hui, vous verrez notre enquête, et puis on va recevoir en exclusivité. À lire. Ah, un petit indice, expliquez-nous, donnez-nous les infos un peu. Bah, honnêtement, tout est dans le papier, donc vraiment, achetez-le. Et deuxième petite chose. Et peut-être relever les audiences, ils ont décidé d'un candidat, il y a une seule femme. Regardez les images en avant-première. The Voice, il y a eu beaucoup de bruit de couloir ces derniers temps, reviendra, reviendra pas. Il y a eu aussi des rumeurs avec Pascal Obispo qui aurait peut-être remplacé Florent Pagny. Florent Pagny qui a torturé la prod en demandant des cachets extravagants. Bon, finalement, ça y est, on arrête tout. TF1 a enfin sorti un communiqué de presse ce matin. Et Jennifer, Garou, Bertignac, c'est les mêmes, en fait. Ciel, il n'y aura plus de bruit de couloir. Très bien. Yves Régnier, nos journalistes sont là, vous allez passer à la... Je dis que vous vous trouviez meilleur réalisateur que meilleur acteur. C'est lui qui m'a fait lire ce matin. Ça s'est scotché. Est-ce que vous avez plus de 30 ans de carrière en tant qu'acteur? Vous doutez encore quand vous voyez à l'antenne? On va mettre 40 ans, 50 ans, allez, je ne sais pas. Encore de vous, quand vous voyez à l'antenne, vous trouvez que vous n'avez pas un bon jeu d'acteur? Non, je ne doute pas de moi. Si vous voulez, j'ai plus de satisfaction et j'ai plus de plaisir, à la fois confondu pour la télé et pour le cinéma. Donc, ça... Découvrir des plaisirs sadomaso, et ça, franchement, faut aimer Julia. Peut-être ton délire. Non, on ne parle pas de moi, là, de toute façon. Il est écrit. Donc, mais pourquoi ça vous dérange? Non, parce que quand c'est... que vous êtes avec nous, vous êtes celui que l'on appelle... Les parties intimes aussi, c'est normal, là. That is a private thing between my wife and I. D'ailleurs, qu'il y a une petite guérilla entre Vincent Cerutti et Sandrine Quétier. Est-ce que vous avez été témoin de quelques accrochages? Non. J'en rêve de ce moment-là. Allez, vous levez, vous, Sandre. Allez-y, Christian, on a pris un extrait de votre DVD. Je mesure 1m30. Oui. Allez-y, mettez-vous au centre. On va lancer la musique, extrait de votre DVD. Donc c'est la séquence fitness. Non, moi je regarde. Allez, on y va, musique. Ils sont comment, Chris? Vous les trouvez comment? Mais ils sont très très bons. Saison 4. Vous avez eu le temps de les voir danser ou pas? Attends, j'arrive pas à remonter. Attendez, je vous énerve. Sauf pour François Viau qui les perd de jour en jour. Rigolez pas trop, Jean-Marc. Qu'est-ce que ça... Alexandre Maras pourrait s'acheter du champ. Mais je le dis quand même. J'ai pris 1€ au cas où, donc si vous pouviez tous faire de même, on pose l'argent ici. C'est une bonne cause. Un dernier tweet également pour vous, Yves. Merci à ne pas manquer. Médecin chef à la prison de la santé, c'est ce soir. C'est sur France 2, c'est un prime time. À ne pas manquer non plus avec le livre de Véronique Vasseur. Et puis, il y a également ce livre de notre ami Lézard, le big livre de l'incroyable 2013. Musique, on se quitte et on se retrouve demain à partir de 18h35 sur Énergie 12. Bye bye, musique, c'est à vous. Allez-y. C'est parti pour le fitness. On démarre tranquille avec le B. Dancing on the floor. Hey, 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 hey,
c'est bon, c'est bon. Ok, allez-y. On y va.